J'ai pas eu le petit pédoncule là. Avec mon destroyer. Il est assez surpris. Regardez-moi ça, mais ma barre ne descend quasiment pas tant que je touche. C'est juste trop bien. Un max de dégâts. Et ma barre de vie qui augmente encore parce que fitness augmente de niveau. Merveilleux. Troisième étage. Alors il est vert. Bas niveau. Il va juste se servir d'exutoire lui. Alors j'ai pas le bon élément contre lui, mais je suis pas très inquiet pour ce boss. Nouvelle compétence en rapport avec le taunt, c'est pas très intéressant pour mon build. Gwen qui est tombé. Immédiatement relevé. Le truc c'est qu'il reste contre lui, là du coup c'est assez difficile de se mettre derrière lui. Mon pauvre pote. Regardez la barre d'armes. La weapon gauge. Il s'emballe steak. Oh la destruction. La destruction la plus complète. Ah si, c'est le coup triangle qui se charge plus vite avec Arthur, j'ai l'impression, finalement. Parce que c'est vrai qu'il se charge très très lentement, normalement. Et là, ça se charge très très vite. Ça se charge comme l'autre coup. Ah. Je voulais lui prendre un truc. J'ai attendu exprès qu'il évolue. Mais tout s'est passé trop vite. Ah, dès qu'il y a un mec de bas niveau, il meurt direct. Hein. Bon, c'est bien, on aura mis 150 000 ans, mais maintenant on sait lire cette petite icône, on sait l'utiliser par rapport au combat. Vert aussi. On sait quand est-ce qu'on utilise des ressources, quand est-ce qu'on les économise. On a même un build de Dictamar en rapport avec notre style d'arme. Notre style de jeu. Très content de ce qu'on a réussi à accomplir. Oh la rage. Oh la rage, les coups qui s'arrêtent jamais. C'est bonnement merveilleux. Très très plaisant. Ok, vert aussi. Vraiment, on a de la chance aussi. Au niveau du random. Ça tombe très très bien. En plus, je crois que ici, la terre, c'est son point faible à lui. Hein. Ça nous met très très bien. J'ai voulu le grappiner, mais j'ai pas réussi. Heureusement, tout va bien. Plus de peur que de mal. Et le regain de concentration est énorme. Oboru koto naku,
Ok, donc là on a un petit peu de temps. On va faire ça. On va faire la prière parce que la pierre de prière va se re-remplir. On va pouvoir reprier. À partir du sixième étage, ce jusqu'au dixième. Et nous, c'est le dixième qui nous intéresse. Par pure tradition, on le rappelle. Ok. Sixième étage. Un Eurogrinder. Orange. Ok. Ça va être dangereux. En plus de type terre. J'ai pas le bon élément contre lui. J'ai son épée d'ailleurs. J'ai l'épée faite à partir de sa famille. Heureusement, j'ai beaucoup d'armure. Déjà bien appréciable. La subjugation, ça me permet de faire l'attaque chargée pour un maximum de dégâts. Ok, c'est bon. Je vais attaquer avec ça. On va faire des combos relativement simples. Je peux encore lui voler les morceaux complètement, il faut qu'il vienne d'abord. Dommage. Ok. Faut pas que j'hésite à sortir le bouclier. Destroyer qui fait les bons dégâts. Merci bouclier. Ok. Je prends Charles. Prends cher, il se concentre, vite, on profite. Oh, la zone de soin en plus, énorme, merci beaucoup. Ok, je vais pouvoir refaire une subjugation. Prochaine attaque chargée. La zone de soin nous a remis bien. J'ai oublié, pas parfait, mais on est bien. Passé. Cool. Ok, maintenant je peux tenter de lui prendre une de ses griffes. Nice. Ok, non, ça s'éloigne. Oh genre! Oui, ça va de loin. Un ulti a été fait par Manazuru. Ok. Ok, les bons dégâts. Excellent.
Il va plus pouvoir sortir ses coups les plus puissants. Ok. Ça s'est bien passé. On a eu des gens qui sont un peu tombés, des trucs comme ça, mais... c'est un Eurogrinder, quoi. Ça rigole zéro. Étage numéro 7. Ok. Blade Tail vers... c'est les vacances. J'ai le bon élément en plus, je crois, donc ça va être tout bonnement offert. Et paf, paf, paf. Oh non, le dernier coup de la combo qui se fait interrompre. On l'arrête. Je vais pouvoir faire un Oni Burial, c'est cool. Qu'il est venu d'abord. J'ai bientôt de nouveau un destroyer. C'est trop bien. Le build destroyer, une fois. Dernier coup. On l'a mis. J'ai eu la queue. Nice. Oh non, j'ai pas eu la queue, j'ai eu une patte. Quand même faire son coup le plus dangereux, malheureusement. Ah non, j'ai pas eu une patte. Ah si, j'ai eu une patte avant. Petit bâtard. Fasse ça. Ça va. Il est pas resté en l'air trop longtemps. Quand on n'arrive pas à lui enlever la queue, c'est moins facilement gagné. Hein. Ok, c'est passé. C'est passé, on a quand même pris pas mal de dégâts, mais ça va. Oh. Timitama Kado. Mitama Kado. Bienvenue dans le Mitama Kado. Quel Mitama aurez-vous le droit d'accueillir dans votre petite tête? Ok, un ogre vert. C'est offert.
dans ta bonne jauge d'armes. Aïe. Allez, range. On ne lâche rien. Ensuite, un autre Horrorgrinder orange dossier dangereux. Mais on a déjà réussi à en battre un. On peut le faire. Allez, la combo. Oui, yes. Ça fait mal, hein. Attendre encore une fois qu'il évolue avant de faire le Holy Burial. Excellent. Ok, nice. Nice. Hop. C'est bon. Hop. On va pas tarder à évoluer, je pense. Atomiser la pince. Oh, il se fait dégommer, pas bien. Ah, Marc, il a peut-être évolué là. Ah, si, il a la tête d'un Grinder qui a évolué sans animation. Hop là. Ça s'est enlevé. Allez, ça se fait démonter. Ça, un slot. Toujours plus d'attaque. Là, non. Ouais, attention à ça. Ok. Deux gens sont tombés. Là, Zoro va s'occuper des res. J'ai balancé mon effet d'armure pour rien, mais c'est pas grave.